Bonjour, je m'appelle Théodore de Bruyne. Je suis professeur des sciences des religions dans le département d'études anciennes et sciences des religions à l'Université d'Ottawa. Dans mes cours, j'examine comment les traditions religieuses se changent au fil du temps. Ce qui m'intéresse, c'est l'influence de la culture environnante, les événements politiques, les conflits internes et les mouvements populaires sur les traditions religieuses dans des lieux et périodes différentes. Mon domaine de recherche est le christianisme à l'époque de l'Empire romain. Actuellement, j'étudie les manières dont les amulettes sont devenues chrétiennes à cette époque. L'utilisation des sorts et des amulettes pour se protéger contre la maladie et le mal ou gagner l'avantage sur un adversaire se trouvait partout dans le monde antique. Nous avons beaucoup de preuves que les chrétiens portaient et en fait préparaient les amulettes, même si les autorités chrétiennes condamnaient la pratique. Je m'occupe avec les amulettes écrites sur papyrus et autres matières en provenance d'Égypte. Ces documents nous permettent d'apprendre comment les gens vivaient en tant que chrétiens, d'apprendre ce qu'ils faisaient plutôt que ce qu'ils ont été commandés à faire. En fait, les amulettes nous offrent un aperçu des préoccupations quotidiennes des gens dans le monde antique et les moyens auxquels ils avaient recours aux dieux pour faire face à ces préoccupations. Un aperçu qui est rare parmi les documents et monuments qui nous restent de cette époque.